Good morgen, allez, Iden et Sutra aujourd'hui, Eloi Nishmat, Claude Shlomo Ben Shalom et Lucienne Batraina, si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Misha. Contactez les 5 minutes éternelles, nous étions à Sechet Sota Perek Zayn Mishnah Zayn, Birchot Kohen Gadol Keitzad, Chazan Akneset, Notel Sefer Torah, Venotna Le Rosh Akneset, Rosh Akneset Notna La Segan, Vasgan Notna Le Kohen Gadol, Le Kohen Gadol Omed, Omekabel, Vekore Omed, Vekore Achare Mot, ואח בעשור, וגולל את ספר תורה ומניחה בחיקו, ואומר יותר ממה שקראתי לפניכם, כתוב כאן. ובעשור שבכל ממש הפיקודים קורא על פה. הוא מברך עליה שמונה ברכות, על התורה ועל העבודה ועל ההודיה, ועל מחילת העוון, ועל המקדש, ועל ישראל, ועל הכהנים, ועל שאר התפילה. On avait introduit au début du chapitre les mitzvot, dans plusieurs mitzvot, la Torah nous prescrit de déclarer des choses, de dire des choses. Et la question de notre chapitre est de savoir qu'est-ce qu'il faut dire spécifiquement en Lashon HaKodesh, en hébreu, ou qu'est-ce qu'on peut dire dans toutes les langues. Selon le cas, c'est déduit de Psukim, on avait appris, c'était parti à partir de la Sota elle-même, que quand on la faisait jurer dans une langue qu'elle comprend, le but c'est qu'elle comprenne, c'est pas de dire des beaux mots en hébreu qu'elle ne va rien comprendre. On a vu cependant que la Khalitsa, par exemple, c'était pas comme ça, il fallait dire nécessairement en Lashon HaKodesh. Donc on a vu une série de mitzvot qui va dire spécifiquement en Lashon HaKodesh. Bikurim, Khalitsa, et maintenant on a les Birkat Kohanim, et à présent on a les Birkot Kohen Gadol, les Brachot du Kohen Gadol. C'est quoi les Brachot du Kohen Gadol? On se retrouve à, on est à Yom Kippour. À Yom Kippour, une fois qu'on a fini, le Kohen Gadol a fini la première grosse partie de la Voda, il y avait un petit peu un temps de latence comme ça au Beth Amikdash, où on avait envoyé le Seir, le bélier, au, je sais pas si c'est le bélier, le Seir, c'est pas le Seir, c'est l'autre, bref, le bouc émissaire, voilà. On l'avait envoyé pour se partir le jeter, le jeter à partir de la falaise. Le temps qu'il arrive là-bas, on avait un temps comme ça au Beth Amikdash, où le Kohen Gadol interrompait toute la Vodot, il fallait attendre qu'il arrive là-bas et qu'on ait le signal qu'il était arrivé là-bas, il y avait tout un procédé, comment faire, on apprend ça dans Masechet Yoma, entre parenthèses. Cette même Mishnah se trouve expressément dans les mêmes mots dans Masechet Yoma. Là-bas, on l'a rapporté parce que c'est Yoma, c'est Yom Kippour, et là, on le rapporte parce que c'est en rapport avec les misotes qu'il faut dire, c'est nécessairement en hébreu. Donc, pendant ce temps de latence, on avait un bon morceau de temps, il fallait maintenant, au Beth Amikdash, le Kohen Gadol, aller lire la Torah. Lire les séquences relatives à Yom Kippour. Ça correspond à trois parties dans la Torah. La paracha de Acharemot, d'abord, où c'est longuement détaillé, comment faire les korbanot. La partie qui se trouve dans parachat Emor, une petite séquence dans Emor, on parle là-bas de toutes les fêtes, n'importe quelle fête, on va lire nécessairement une partie de Emor, Shor Chesevoez, ça commence là-bas, après on va rapporter pour toutes les fêtes. Il y a, à part ça, il y a, donc ça fait déjà deux parties, il y a Acharemot et dans Emor, la partie relative à Yom Kippour. Ça, tous les deux sont dans le livre de Vaïkra, c'est important ce que je vous dis, parce qu'on va expliquer après une partie de la Mishnah qui va être en rapport de ça. C'est quelques petits morceaux plus loin. En revanche, il faut lire la paracha dans la paracha de Pinchas, c'est la paracha de tous les Moussafim, des Korbanot, de Yamim Tovim. Il faut lire aussi la partie là-bas, cette fois-ci c'est beaucoup plus éloigné. D'accord? Le Kohen va devoir lire ces trois parties, et après la lecture de ces trois séquences, il va falloir maintenant dire des brachot. Le Kohen fermait le Sefer Torah et prononçait 8 brachot qui devaient nécessairement être dites en Lashon HaKodesh, en hébreu. D'accord? Maintenant, on va voir dans notre Mishnah, elle va être séparée très simplement en trois parties. Comment on apporte le Sefer Torah? Comment le Kohen Gadol va lire dans le Sefer Torah? Il y a des petites nuances. Et après, les 8 brachot qu'il fallait dire en Lashon HaKodesh. Comment apporter le Sefer Torah? D'abord, je vous le dis tout à l'oral, comme ça on va aller beaucoup plus vite. Pour marquer plus d'honneur au Kohen Gadol et à la solennité du jour et du Kohen Gadol, alors on avait tout un rituel comment apporter le Sefer Torah. C'est pas qu'on apporte un Sefer Torah, on lui donne et il se met à le lire, non pas du tout. Il va y avoir une première personne qui va sortir le Sefer Torah, il va l'amener à une deuxième, il va le donner à une troisième, il va le donner ensuite au Kohen Gadol. D'accord? C'est qui ces quatre personnes? En fait, le Kohen Gadol, c'est la finalité, c'est le quatrième. Mais avant, on a trois personnes, trois rôles importants.
C'est le Chazan Knesset, Rosh Knesset et Sgan. Le Sgan, on va le prendre en avant. Le Sgan, c'est celui qui seconde le Kohen Gadol, c'est-à-dire que si le Kohen Gadol a un problème, c'est le Sgan qui vient, c'est le premier, par intérim, je ne sais pas comment dire, le vice Kohen Gadol. Dès que si le Kohen Gadol a un problème, c'est le Sgan qui devient Kohen Gadol. C'est lui, c'est le Sgan, c'est la personne la plus haute. D'accord? À part ça, on a deux personnes importantes, c'est le Chazan HaKnesset et le Rosh HaKnesset. Chazan HaKnesset, c'est qu'en fait, dans Har HaBayit, à l'endroit du Beit HaMikdash, il y avait à côté une synagogue, une Beit HaKnesset. Il y avait là-bas deux personnes. Le Shamash, celui qui occupait de changer toutes les nappes, changer de se préparer les Sefer Torah, qu'on lise dans tout et tout ça, celui qui gère tout le côté technique. Et il y avait le Rosh HaKnesset, celui qui s'occupe plutôt, lui, de trancher toutes les questions qui se soulèvent dans la synagogue. Ça peut être des questions de halakhot, ça peut être des questions à qui donner le. Quand il faut faire monter à la Torah, dans quelle hiérarchie et tout ça. C'est le Rosh HaKnesset. Donc on a Chazan HaKnesset, Rosh HaKnesset, Sgan et Kohen Gadol. C'est la première partie de la Mishnah, on la lit déjà. Donc Birchot Kohen Gadol, Keitzad. Comment le Kohen Gadol, dans quelle situation devait-il lire les Birchot du Kohen Gadol? De quoi on parle? On parle que le Chazan HaKnesset, Notel Sefer Torah. On a Yom Kippour, c'est pas précisé, bon, c'est temps de comprendre la fin de la Mishnah. Le Chazan HaKnesset. Donc le Chazan, comme ce qu'on a expliqué, il va Notel Sefer Torah, il va prendre le Sefer Torah, il va recevoir lui-même le Sefer Torah, il va aller le chercher, Ve Notna les Rosh HaKnesset, il va la donner à Rosh HaKnesset, à celui qui est responsable sur la Beit HaKnesset de, comme on a expliqué, de trancher les choses. C'est lui le responsable un peu spirituel, si je peux dire, celui qui va trancher, le juge un peu. L'arbitre. Ensuite, on a Verosh HaKnesset Notan Asgan, le Rosh HaKnesset va le donner au Sgan, au second, au vice Kohen Gadol, Ve'asgan Notan le Kohen Gadol, le Sgan ensuite il va le donner au Kohen Gadol. Ve'Kohen Gadol, Omed ou Mekabel le Kohen Gadol, va se lever et le recevoir. On déduit de là que le Kohen Gadol il était assis. On déduit de là une halakha importante, c'est que dans ce cas-là, le Kohen Gadol ne lisait pas le Sefer Torah dans l'enceinte de la Ezrat HaKohanim, parce que là-bas on n'a pas le droit de s'asseoir, si ce n'est le roi de Malchut Beth David. Donc on parle nécessairement qu'il est dans la Ezrat Nashim, c'est la partie externe du Beit HaMikdash, plus, d'accord? Et là-bas, Vekohen Gadol, Omed, ou Mekabel, et il reçoit le Sefer Torah, Vekoré, Omed, et il lit la Torah debout, parce qu'il faut lire la Torah debout. Et ensuite, qu'est-ce qu'il doit lire? Alors, on a dit trois séquences. Acharemot, Emor, et ensuite, dans Parashat Pinchas, dans le livre de Bamidbar. Regardez comment est-ce qu'il va lire, après on explique la raison. Il va lire d'abord, Vekoré, Acharemot, la Parashat de Acharemot. Ve Arbeasor, et la séquence de Arbeasor, c'est-à-dire qu'il va passer dans Parashat Emor pour lire Arbeasor. Et après, Ve Golel et Torah, il va maintenant fermer le Sefer Torah, le fermer, ou Manicha Becheko, il la garde dans son bras, Ve Omer, et il déclare, Yoter Mima Shekareti Lifnechem Katuvkan. Sachez qu'il a écrit plus que ce que je viens de lire est écrit dans ce livre, dans le Sefer Torah. Il a écrit quoi? Ou Beasor, chez Bechumash Apekudim, Alpe. Et la paracha de Ach Be'asor, qui est dans le Chumash HaPikudim, le livre des nombres, ça veut dire qu'en fait c'est le livre de Bamidbar, Koré Alpé. Il lira par cœur. Pourquoi ça? C'est-à-dire en fait, il y a une halakha très simple. Vous savez que quand on lisait la Torah, on avait un. Quand on lisait à la Torah, il y avait un traducteur, un Meturgeman. On lisait un passouk, et il y avait quelqu'un qui le lisait ensuite en araméen, le Meturgeman. Comme les Thémanim, ils ont encore, c'est la dernière qui est là d'Israël, qui a encore cet usage de lire le Targum. Pendant qu'il a le Baal HaKoré, il lit un passouk, il s'arrête, et il y a quelqu'un qui lit. Une lecture chez les Thémanim prend presque 1 heure. D'accord? Une lecture de Torah chez les Thémanim, c'est assez imposant et long, quoi. Donc, c'est comme ça, il y avait un Meturgeman. Maintenant, il y a des séquences dans la Torah. Là, par exemple, je t'ai dit de lire, tu sais, tu prends la partie de Arbé Assor, tu lis Achremot, après tu passes à Emor. Donc en fait, si le Kohen Gadol, pendant que le Tourgeman, il est en train de lire, il attend vite vite de rouler et de lire, il n'y a pas de problème. Mais si jamais ça va lui prendre trop longtemps de rouler, il va avoir du Tohar Tzibur, le Tzibur va devoir attendre, ce n'est pas une solution. Ce qu'on fait, c'est que dans ce cas-là, le Kohen Gadol, on préfère dire que le Kohen Gadol, écoute, pour passer de Acharemot jusqu'à Emor, c'est juste à côté, fais-le vite fait. Mais si tu dois tourner jusqu'à Parashat Pinchas, c'est trop long tout ça, on préfère que tu fermes le Sefer Torah, tu le prends dans les bras, et tu continues à dire par cœur la paracha du Chumash HaBikudim. Ok? Troisième partie de la Mishnah maintenant, c'est qu'une fois qu'il a fini, eh bien, Umevarech Aleha Shmoneh Brachot, il va ensuite dire, il va prononcer
sur Sefer Torah 8 brachot, qui sont à la Torah. Une bracha, c'est la bracha de la Torah, d'accord? Comme ce qu'on dit, Asher Natan Lanuet, Torato, Torat Emet, après avoir lu le Sefer Torah. Ve'a la avoda, une bracha sur la avoda, qu'Hachem, il accepte notre, le service du Bet Amigdash, c'est en parallèle avec la Retsé, ce qu'on fait nous. Ve'a la odaya, et on le reconnaît, on lui dit merci sur toutes les tovot qu'il nous a fait, Hachem. Et ensuite, ve'al mechilat et avon, après on lui demande qu'il nous pardonne nos fautes. Ve'al amigdash, on lui bracha sur le fait qu'il nous a donné le Bet Amigdash pour pouvoir faire les kaparot. Ve'al Israël, et une tfila spéciale sur le Am Israël. C'est quoi la tfila sur le Israël? 12 secondes, je le dis tout de suite, mais Shitnase Malchut Israël Bichlala, que l'honneur du Am Israël continue à grandir toujours. Ve'al Kohanim, et une bracha sur les, pour les Kohanim que Hachem, il réside toujours dans la voda des Kohanim qui font Bet HaMikdash, Ve'al Shahar Atfila, et après on fait une bracha klalit pour le Am Israël, pour tous les besoins que l'Am Israël il a, comme ce qu'il nous dit, Ve'al Shahar Atfila, le patron, il nous dit, chez l'Israël, que l'Am Israël soit sauvé de leurs ennemis, et après il continuait, d'accord, ça c'est le Shahar Atfila, et après il concluait cette bracha en disant, Baruch Ata Hashem, et il continue en disant, Amcha Yisrael Tzichim Yeshua, Baruch Ata Hashem, Shoma Tefila, en fait, c'est qu'il finit la bracha de Shomea Tefila, accepte nos brachot. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov, c'est là.